Et nous connaissons, l'opinion publique le sait déjà. Eh bien, Madame Edwin Tonton, eh bien, qui a été placée à la CAS par Rosemila Petitfrère, eh bien, a été arrêtée et mise en prison par le juge Jean-Wilner Morin. Eh bien, Madame ça a accusé de détournement de fonds de plusieurs dizaines de millions de goudes, voire des centaines de millions de goudes. Et d'après sa cap dit, justement, eh bien, c'est que l'agence AIO a joint Rosemila Petitfrère. C'est avec lui, il a acheté Kai, Delma 41 pour le faire radio. C'est avec lui, il a acheté plusieurs Kai Yodi dans Belleville. Donc, sous base ça, juge là, eh bien, il est décidé, il faut qu'il tende, et Madame Rosemila Petitfrère, qui lui-même, dans l'opinion publique, il est accusé comme monde qui est beaucoup côté Ariel Henry, comme monde qui est très proche pouvoir, eh bien, cap vraiment ramasser l'argent dans l'État, notamment dans CAS. Qui pratiquement ont vache à l'air pour Madame Rosemila la petite frère, selon les accusations, justement, qui va l'obliger prouver devant le juge. Donc, on ne pas connaître, c'est sous bazar que le juge l'a invité. Donc, le juge n'y pas dit pour qui ça, mais cependant, on le sait. On sait, c'est dans le cadre de l'enquête ouverte sur des dossiers de détournement de fonds et de corruption au niveau de la CAS. Madame Tonton, depuis le mois d'avril, qui trouvait en prison. Mais d'après après tout, d'après ça, me tendait dans la rue, il est pendant que madame en prison, il continuait à jouer rôle le directeur de la CAS parce qu'elle continuait, d'après ça qu'il dit, hein, eh bien, à signer un document pendant en prison. Hein. Mesdames et messieurs, c'est très spécial en Haïti, et de même qu'on peut être en prison, mais en même temps, tout, quand on est en prison, on a une accusation sous dos comme corrompu, en même temps, capable justement à signer un chèque, à signer un dossier. Donc tout ça reste à prouver. Donc, ce sont des informations relayées par certains médias de la capitale. Mesdames et messieurs, maintenant, la question qu'on doit se poser, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que Rosemila la petite frère, eh bien, pourra suivre Madame Tonton en dans prison? Est-ce que le juge Jean-Wilner Morin, il a assez d'éléments qui pour montrer justement relation de complicité ou bien qui pour montrer comment Rosemila recevoir en pile l'argent de la CAS, est-ce que juge là a un dossier dans main, puisque nous connaissons gagné l'USCC qui était mené en enquête, et l'USCC qui était épinglé Madame Tonton. Donc Madame Tonton, il dit, eh bien, Rosemila a été là pour eh bien ramasser l'argent balé. Et comme de fait, en pile bruit courir sur niveau de richesse Madame Rosemila, petit frère, mesdames et messieurs, eh bien, donc juge là, il est venu sous question ça. Donc, demain, et madame, non, il y a Tony dans le cabinet d'instruction. Maintenant, la question qu'on doit se poser, est-ce que madame Rosemila petit frère pourra le présenter dans le tribunal là? On ne sait pas. Ou bien est-ce qu'elle pourra le rentrer dans le marron? On ne sait pas. Parce que de toute façon, de vous gagner un mandat d'ailleurs, quel que soit le côté là pour les joindre, et bien pour responsabilité pour l'arrêter. Naturellement, nous connaissons un pile fois, lorsque pouvoir, et bien on doit un mandat d'ailleurs, et bien rien pas qu'arriver. Mais là, passe au pouvoir tout car est au sans mandat. On va voir, mesdames et messieurs, ça, mais en même temps, il faut que nous reconnaissions, eh bien, c'est une rare fois depuis, on est capable de dire, quelques temps dans le pays d'Haïti, côté que il y a deux monde qui ont un don régime, qui ont un don pouvoir, eh bien, qui soit dans la prison, tant qu'Edwin Tonton, qui a un mandat d'ailleurs, tant qu'au Fidèle Monchéri, et qui gagne une invitation pour présenter devant le tribunal, justement, tant que Madame Rosemila Petitfrère, qui lui-même tout risquait à le rejoindre, ça, on est capable de dire. Et sa commère en prison, puisqu'il est révélé que CAS, mesdames et messieurs, qui n'en met Rosemila Petit Frère, eh bien, c'est un vache à lait, c'est là exactement, eh bien, toute transaction à faire, tant c'est là toute corruption faite, côté que nous songez, n'a pas rappelé, mesdames et messieurs, CAS, c'est une caisse d'assistance sociale qu'il a pour petit grand monde, pour monde handicapé, pour monde qui n'est pas capable, mais cependant, depuis quelque temps, eh bien, boîte ça. Eh bien, ils servent justement de vache à lait, justement, pour enrichir des politiciens, mesdames et messieurs. Donc, on va voir ce qui va se passer. Est-ce que madame va se présenter demain? Est-ce qu'elle va bouder l'invitation du juge? Est-ce que même avec Fidel Monchéri, il pourra récuser ou bien il pourra faire une requête, un dessaisissement? On ne sait pas. Mais ça, c'est certain, c'est que, mesdames et messieurs, eh bien, automatiquement, ou un mandat d'ailleurs, qu'elle soit côté ou jeune, capable d'arrêter. Mesdames et messieurs, d'ailleurs, et acte que Fidèle Monchéri fait, d'après mettre la loi, côté que les deals par réel devant juge ça,
ils présentent un document en dessaisissement pour le dire pour juge la retirer colle dans dossier hein. Eh bien que Fidel Moncherif fait que Rosemine a fait, eh bien ça pas empêché que mandat il continuer faire route li. D'ailleurs comme on le dit dans le langage judiciaire, c'est que eh bien action ça n'est pas suspensif, c'est-à-dire que n'est pas empêché que juge la continue faire travail en attendant que la cour de cassation prononce sous question ça, mesdames et messieurs.